rechakadema. C'est mon âme qui soupire. Veux-tu ses profondeurs? Veux-tu aller plus loin, plus profond avec lui? Veux-tu aller en profondeur avec Dieu bien-aimé? Ce n'est pas une question de corde vocale. Ta bouche n'a pas besoin de crier. Mais laisse crier ton cœur. Il en va de ma capacité à manifester la stature parfaite de Christ. Je crie à toi pour implorer tes bontés, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce. Oh, viens me soulever. Emmène-moi là où tu m'attends. Emmène-moi là où tu m'attends. Ne me laisse pas où je suis. Viens me soulever, me libérer, me catapulter. Viens m'arracher de là où je suis. Oh, Abba. Oh, Abba. Oh, Abba. Maréchakama. Marécitoma. Cité Maroro. Chamaré. Élève la voix, tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie, crie toi-même à Dieu, implore sa grâce, supplie-le, ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas où je suis, il y a plus grand, il y a plus haut, il y a plus profond, ne me laisse pas dans la misère où je suis, accorde-moi la grâce de connaître et de vivre. Oh, amène-moi au lieu du rendez-vous. Amène-moi à la montagne. Amène-moi au lieu du rendez-vous. Au lieu de l'obéissance que tu attends de moi. Au lieu de la circoncision. Au lieu de l'abandon. Au lieu de la consécration. Amène-moi à l'adresse de la consécration, de la pureté, de l'engagement, de la prière, de la ferveur et du zèle. Du sacrifice, de l'honneur, du pardon, de la sincérité. Oh, tu m'attends, ne me laisse pas où je suis. Oh, il faut que le Christ soit pleinement formé en moi. Marélo, formé en moi. Sois formé en moi, il faut que le Christ soit formé en moi. Il faut que le Christ soit formé en moi. Il faut que le Christ soit formé en moi. Il faut que le Christ soit assis à l'intérieur de moi. Il faut que le Christ ne me laisse pas où je suis avant. Il faut que le Christ, il faut que ta stature soit visible. Il faut que le Christ, que cette décennie voit la manifestation d'une autorité spirituelle. Il faut que tu prennes forme. Il faut que le Christ, il faut que tu t'assieds en moi. Il faut que tu sois perfectionné en moi. Il faut que tu sois affermi en moi. Il faut que tu me fortifies. Que tu me rendes inébranlable. Que tu m'augmentes tout entier. Que tu augmentes ma vie de prière. Que tu agrémentes la qualité de ma vie de prière. Il faut que tu sois révélé. Il faut que tu prennes plaisir. Il faut que ta parole soit pratiquée. Il faut que ta parole soit serrée dans mon cœur. Alors nous t'implorons, relâche ta grâce. Relâche, relâche ta grâce. Oh, relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce, Abba. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Relâche ta grâce. Sans elle, aucun de nous ne peut y arriver. Relâche ta grâce. Moi, je ne sais pas pour les autres. Relâche ta grâce. Mais je reconnais que je ne suis pas là où tu me veux. Relâche ta grâce. Alors emmène-moi là où tu me veux. Relâche ta grâce. Emmène-moi au lieu du rendez-vous. Relâche ta grâce. Emmène-moi au lieu de la connexion. Relâche ta grâce. Emmène-moi au lieu de la rencontre. Relâche ta grâce. Emmène-moi au lieu de la connexion. Relâche
Emmène-moi au lieu de la consécration. Emmène-moi au lieu de ta manifestation. Relâche ta grâce, Abba. Relâche ta grâce, ô Père. Viens soulever ton église. Accorde-nous de t'adorer en esprit. De t'adorer en vérité. De ne pas nous contenter de prier. Mais d'avoir des vies de prière, de feu. Des vies agrémentées par l'obéissance. Des vies agrémentées par la vérité. Délivre-nous de la fausseté. Délivre-nous de la carnalité. Délivre-nous de l'iniquité. Oh, nous te supplions, Abba. Prépare-nous pour le mois d'avril. Délivre-nous des réclamations sataniques de tout ce qui nous poussait à pécher, à pratiquer les péchés de la chair. Délivre-nous des péchés de l'âme. Délivre-nous des péchés de l'esprit. Délivre-nous, soulève-nous. Oh, Père, nous t'implorons. Père, nous te supplions. Père, nous t'implorons. Oh, Père, nous t'implorons. Élève encore la voix pendant quelques instants. Élève encore la voix, bien-aimé. Oh, nous te supplions. Oh, là où hier la prière était un boulet. Là où la prière était un combat. Là où je priais, c'était, il fallait qu'on me supplie de prier. Oh, nous t'implorons. Fais asseoir en nous la vérité concernant le lieu secret. Amène-nous dans la dimension de la rencontre avec le Père, dans le lieu secret. Saint-Esprit, emmène-nous. Saint-Esprit, entraîne-nous. Saint-Esprit, éduque-nous. Délivre-nous de l'apparence, de la superficialité, de l'hypocrisie. Ne nous laisse pas croire que prier c'est parler, non. Prier c'est pas parler à Dieu, c'est faux. Quelqu'un a dit prier c'est parler à Dieu, c'est faux. Le but de la prière, oui, tu peux parler à Dieu, mais c'est pas suffisant de parler à Dieu, bien-aimé. Ce que tu veux c'est pas parler à Dieu, ce que tu veux c'est le rencontrer et sortir de là avec les récompenses. Parce que ma Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne veux plus me contenter de te parler. Je veux te rencontrer dans le lieu secret. Change nos vies de prière radicalement par des rencontres quotidiennes dans le lieu secret. Là où prier devient un plaisir et là où la rencontre devient tous les jours une rencontre de gloire. Parce que l'humain va rencontrer le divin, escorté par le Saint-Esprit, et la gloire de Dieu vient rejaillir sur l'homme intérieur et sur tous les domaines de nos vies. Tout ça à cause du mystère de la connexion et de la rencontre dans le lieu secret. Père, que la rencontre dans le lieu secret, la chambre, dans la chambre et la porte fermée, fermée aux distractions, fermé aux perturbations, fermé aux interférences, fermé aux vibreurs de téléphone portable, fermé la porte. Emmène-nous dans cette dimension où on se tient là dans le lieu secret. Et là, on est juste porté par toi. Où les sons qui sortent ne sont pas des sons sélectionnés par l'homme, mais sont des sons téléchargés en temps réel par le Saint-Esprit. C'est la dimension que tu veux pour nous. C'est la dimension de la rencontre. C'est la dimension du téléchargement. C'est la dimension où l'homme intérieur est regardé. C'est la dimension où quand on sort, on est plus faible. On sort fortifié. C'est la dimension où on devient robuste et où rien de ce qui arrive dans le monde ne peut perturber quelqu'un qui sort du lieu secret. Alors, ne nous laisse plus prier pour prier. Fais-nous te rencontrer, nous te supplions. La dimension où on t'expérimente,
où on te découvre, où on te contemple, où on te voit par les yeux de la foi, la dimension de la romance avec le Saint-Esprit, la dimension de la fusion avec le Père, la dimension de l'irradiation divine. Et quand on sort de là, comme Moïse sortait de la tente d'assignation, son visage était resplendissant. Il brillait, de lui émanait l'irradiation. C'est la dimension de prière que Dieu veut que toi et moi nous expérimentions en cette décennie. C'est la dimension où, à cause de cette irradiation, le prince de la puissance de l'air, les esprits méchants, la création, les choses que tu cherches, pour lesquelles tu t'inquiètes, reconnais cette irradiation. Et dès que tu appelles, elles arrivent, les poissons, l'abondance, le bonheur, la grâce, la miséricorde, toutes ces choses affluent vers le Christ parce qu'elles reconnaissent la gloire du Christ exprimée dans cet esprit, ce vase de terre. Que cette dimension soit le partage et l'expérience de quiconque est connecté au son de ma voix, Père, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen à cette parole. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Qu'il nous soit fait selon notre foi. Cette dimension est possible. Cette dimension est accessible. Cette dimension sera ton partage. Quand tu sortiras de là, ceux qui te combattaient te fuiront. Amen. Ceux qui t'intimidaient seront intimidés. Amen. Ceux qui t'effrayaient seront effrayés. Amen. Quand tu sortiras de là, Maréchal Kabbalah, tu seras précédé par la terreur. Amen. Tu seras escorté par le feu dévorant. Amen. Tu seras irrésistible. Amen. Reconnu comme intouchable. Amen. Le bonheur, la grâce, la miséricorde. Amen. Vont t'accompagner, la bénédiction te poursuivra. Tu passes les bords de tes ennemis. Amen. Et aucune montagne ne te résistera. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Les hôtels satellites de ta famille. Amen. Sauront qu'il ne faut plus jouer avec ta famille. Amen. Les serpents auront la tête coupée au son de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, tu deviendras un sauveur pour ta famille. Un libérateur est en cours d'être manifesté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amène-nous dans le lieu secret. Amen. Amène-nous en hauteur. Amen. À la rencontre du Père. Amen. Le Père qui est là dans le lieu secret. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, nous nous débarrassons. Amen. De l'iniquité, de la fausseté, de l'injustice, Amen. De l'hypocrisie. Nous nous dépouillons de ces choses. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.